Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Contrepoint, un numéro aujourd'hui consacré au compositeur d'opéra Vincenzo Bellini. Né en 1801 à Catane en Sicile, il est décédé prématurément d'une tumeur intestinale en France, à Puteaux, en 1835, à quelques jours de ses 34 ans. Et ce, à l'occasion de la représentation de son opéra en deux actes, écrit sur un livret de Felice Romani, d'après la tragédie d'Alexandre Soumet, Norma, créée le 26 décembre 1831 à la Scala de Milan, et qui sera chantée les vendredi 16, mardi 20 et jeudi 22 février à 20h et le dimanche 18 février à 15h à l'Opéra de Nice avec Yolanda Ioanné Norma, Alessandra Volpe Adalgisa, Karine Ohagnan Clotilda, Walter Fracaro Pollione, Antonio Di Matteo Orovesio, l'Orchestre Philharmonique de Nice et les chœurs de l'Opéra de Nice, une production de l'Opéra de Saint-Gall où vous pourrez apprécier ce qui reste l'air le plus célèbre de cet opéra, Casta Diva. Thank you.
Né en Sicile, Bellini apprend la musique au conservatoire de San Sebastiano, l'une des plus excellentes écoles de chant et de musique de Naples, avec Giovanni Furno, Giacomo Tritto, Niccolo Zingarelli. Il est encore étudiant quand il fait représenter sur la scène du conservatoire son premier opéra, Adelson et Salvini, un petit opéra écrit pour lui-même et trois de ses amis élèves du conservatoire. Un opéra qui marque tant ses professeurs qu'on le charge d'écrire pour le fameux Teatro San Carlo, le plus grand et le plus exigeant théâtre d'opéra de Naples, l'opéra Bianca e Gernando, créé en 1826, alors que Bellini n'a que 25 ans, et où on entend un air à tanto duolo pour ténor léger d'une extrême difficulté vocale, signature d'un maître d'un bel canto volubile qu'était Bellini. Vous êtes bien sur Contrepoint dans un numéro consacré au compositeur Bellini, dont l'opéra Bianca, particulièrement apprécié, lui vaut une commande l'année suivante de la Scala de Milan, Il Pirata, un opéra serial, lui aussi un succès éclatant. Cette histoire d'amour contrarié entre Imogène et Gualtiero pour le mariage de la jeune fille avec le chef des pirates Ernesto s'achèvera par la mort des deux rivaux et la folie de la jeune femme, sujet romantique pour ce deuxième opéra de Bellini, devenu en quelques semaines l'archétype de l'opéra romantique italien. Une œuvre jouée jusqu'au début du XXe siècle et qui développe des parties orchestrales avec des solos instrumentaux qui chantent et vocalisent comme les voix, une des signatures de Bellini que l'on retrouvera désormais dans tous ses opéras.
Pour le théâtre de la Fenice de Venise, Bellini compose en moins de 6 semaines en 1830 les Capulet et les Montaigu qui reprennent des fragments d'opéra antérieurs réarrangés pour s'adapter au livret issu des nouvelles de Matteo Bandello. Un opéra où Bellini travaille les parties vocales féminines y inventant une vocalité avec un phrasé étiré jusqu'au bout des vers, une ligne vocale qui s'échappe vers les aigus pour exprimer des sentiments exacerbés, un chant qui semble émaner avec naturel comme prononcé avec le ton de la confidence, alors qu'il est des plus virtuoses pour exiger une voix nette, claire, placée, précise, sans souffle ni passage, comme on peut l'entendre dans cet air « O quante volte ». Opéra semi-sérien en deux actes, la Somnambule est créée après 2 mois seulement de composition à Milan en 1831 avec dans les rôles principaux Giuditta Pasta, l'une des plus excellentes voix de son temps pour laquelle Bellini écrit des airs d'une intense virtuosité et Giovanni Rubini, lui aussi un interprète bouleversant de voix qui firent le succès fulgurant de ce chef-d'œuvre entendu dans toute l'Europe et même à New York tandis qu'à Londres, c'est Maria Malibran qui en endosse le rôle titre. La longueur de la mélodie en arc de Bellini se chante ici avec un naturel qui
répond à ce que Bellini avait cherché dans les Capulet et les Montaigu, mais on y trouve aussi un orchestre soutien de la voix et des corps et qui sait s'effacer pour laisser passer les suraigus naturels de l'héroïne dans la scène de somnambulisme à Non crede a mirarti qui donne son titre à l'opéra. Virtuosité qui n'empêche pas une grande expressivité dramatique comme on peut l'entendre aussi dans cet air Sopra ta mano. C'est en 1831 également, mais en décembre, qui représentait Norma à la Scala de Milan, cet opéra en deux actes et composé sur un livret de Felice Romani, d'après la tragédie d'Alexandre Soumet, qui, à la demande de Bellini, doit offrir à la soprano qui tient le rôle principal, à la création, tenue par la fameuse Giuditta Pasta, un chant héroïque, un caractère vindicatif, des sentiments exacerbés et des passions puissantes, ce qui rend l'interprétation de ce rôle particulièrement exigeant tant du point de vue vocal que du point de vue scénique. Oh!
Sur l'invitation de Rossini, Bellini se rend à Paris pour écrire son nouvel opéra, destiné au Théâtre Italien de Paris, un opéra que Bellini veut écrire en fonction des voix qui allaient chanter ses airs. Ce sera sa dernière œuvre, intitulée Les Puritains, représentée en 1835, et qui firent de Bellini le bel cantiste le plus admiré de Paris, basé sur un drame de Jacques-François Ancelot, Tête ronde et cavalier, écrit en 9 mois, ce qui est très long pour Bellini, qui ne met jamais plus de 2 mois à écrire ses grands chefs-d'œuvre. Les Puritains portent des airs pour les chœurs, des cavatines, des ensembles concertants, des romans, des cabalettes, des chansons des ariés qui existent chez 100 chanteurs, en particulier du ténor qui chante le rôle d'Arturo, des contrefa, note la plus aiguë jamais écrite pour cette voix que Bellini sut mettre à l'honneur et qui n'interprétera après lui que les meilleurs rôles de la scène lyrique italienne. Atteint d'un cancer des intestins, Bellini s'éteint le 23 septembre 1835, quelques jours après la création de son dernier opéra. Bellini, considéré comme le plus excellent des mélodistes de l'art lyrique, ne cessa de professer la primauté du chant et de réclamer une diction parfaite, assortie d'attaques nettes dont seules les voix légères et volubiles étaient capables. Bellini, qui a su renouveler l'art du bel canto, ce beau chant servi admirablement par Rossini, mais qu'il sut mener à une nouvelle manière dramaturgique en moins de 15 ans d'activité. Vous pouvez podcaster cette émission et retrouver son texte sur le site de RCF Nice Côte d'Azur. Bonne semaine sur RCF et à très bientôt pour de nouvelles aventures musicales dans Contrepoint. Disprezzo, disprezzo le fa.